Merci d'être sur Business 24 Africa pour ce rendez-vous de l'information en matière de promotion du développement durable et des bonnes pratiques dans la filière cacao. Le chocolatier français Semoy Côte d'Ivoire se démarque. Ce mercredi 10 mai 2023, l'usine de transformation située dans la zone industrielle de Yopougon a été visitée par le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. La visite organisée par le ministère des Affaires étrangères visait à montrer aux ambassadeurs les opportunités d'investissement dans la filière cacao afin de faire d'eux des émissaires auprès des hommes d'affaires de leurs pays respectifs. Une initiative qui s'inscrit dans la politique de l'éco-diplomatie amorcée par la Côte d'Ivoire depuis quelques années. Koné Nanogo et Richard Akeke. C'était une visite de haut niveau ce mercredi 10 mai 2023 à l'usine agroalimentaire Semoy Côte d'Ivoire. À l'invitation du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire sont venus se faire une idée du savoir-faire ivoirien en matière de transformation du cacao. Pour le gouvernement ivoirien, c'est une occasion de montrer à ses diplomates les bonnes pratiques de la Côte d'Ivoire en la matière et promouvoir par la même occasion l'éco-diplomatie. Comme nous avons une usine en espace Semoy ici, qui part en espace de la fève de cacao jusqu'au chocolat, ce qui est une grande première dans notre pays, il était bien que les diplomates accrédités en Côte d'Ivoire, le personnel diplomate, diplomatique, le corps diplomatique, les ambassadeurs viennent voir les réalités. Bâtie sur environ 10 hectares, cette usine de Semoy Côte d'Ivoire reçoit chaque année environ 100 000 tonnes de fèves de cacao sur les 2 millions de tonnes de la production nationale. Une fois à l'intérieur de ces murs, les fèves de cacao sont transformées en poudre, en beurre ou en pâte à tartiner. Et le corps diplomatique a pu visiter l'ensemble des unités de transformation. De la plantation d'expérimentation en passant par le centre de fermentation, le magasin de stockage, l'unité de décorticage, le laboratoire de fèves et surtout la chocolaterie. Tout roule à plein régime. Leader sur le marché ivoirien, Semoy Côte d'Ivoire utilise du cacao 100% traçable et respectueux des normes de développement durable. Un projet entrepris depuis 2009 à travers le programme Transparence Cacao. On était agréablement surpris en fait par la qualité qui nous a été présentée aujourd'hui sur ce qu'ils appellent la traçabilité, la géolocalisation des produits, sur le respect des normes internationales. Cette visite des ambassadeurs à l'usine Semoy Côte d'Ivoire s'inscrit dans la politique de promotion de l'éco-diplomatie entamée par le pays du cacao depuis plusieurs années.